Le professeur Pappé est un historien israélien. Il fait partie des nouveaux historiens qui portent un regard critique sur l'histoire d'Israël et sur le sionisme et n'en reprennent pas la version officielle. À cause de cela, il est entré en conflit avec ses collègues à l'université israélienne où il enseignait et il s'est exilé en Grande-Bretagne. Il est actuellement directeur du Centre européen d'études sur la Palestine. Cet homme rare et pris de justice a écrit de nombreux livres passionnants, parmi lesquels un ouvrage majeur, remarquablement documenté, qui porte sur la colonisation en Palestine, le nettoyage ethnique de la Palestine. Ce livre a été publié en français par Fayard, qui a curieusement arrêté sa commercialisation quelques mois après le début de la guerre contre Gaza, alors même que l'intérêt pour ce livre s'était nettement accéléré. Il a été désormais réédité au Canada par les éditeurs de la rue d'Orion et en France par la fabrique Édition. Je vous recommande la lecture de cet énorme travail de 380 pages. Un grand livre d'histoire dont je vous propose un résumé. Au fil de la lecture, on constate que le discours des sionistes n'a pas changé depuis le début de l'occupation jusqu'à nos jours. Et d'abord, la victimisation. Les juifs sont des victimes, ils ne peuvent pas être coupables. Par extension, Israël étant un État juif, son accusation est de l'antisémitisme. Et puis la diabolisation. Alors même qu'il les martyrisait, l'État juif accusait les Palestiniens d'être des nazis. C'est ainsi, affirme Papé, qu'il y a eu un soutien massif des juifs du monde entier et une plus grande facilité à tuer pour les soldats d'Israël. Et puis il y a une ambivalence dans les messages sionistes aux puissances alliées. Israël affirme être en danger et aux pays arabes voisins, il déclare être invincible. Israël a le droit de se défendre, c'est la formule sacrée répétée en boucle à chaque massacre en Palestine, bien que cette justification soit contestée dans le cas d'une occupation militaire. Pour légitimer ces agressions et les travestir en défense, la stratégie inchangée d'Israël a toujours été de provoquer puis d'attaquer à la moindre résistance. L'étationniste a beaucoup parlé de paix en commettant la guerre. Car les propositions de paix, affirme l'auteur, ont le plus souvent été des arnaques à répétition où les Palestiniens n'ont pas vraiment leur mot à dire, la seule paix souhaitée étant sans les Palestiniens. Enfin, les résistants sont des terroristes. Ceux qui se sont battus contre les nettoyages ethniques ou au sein de l'OLP en Cisjordanie ou à Gaza, tous sont des terroristes. Il n'y a jamais eu de résistants à l'occupation. Il n'y a que des terroristes. C'est ainsi qu'il faudra plus que ce livre, conclut Ilan Papé, pour inverser la diabolisation de ce peuple opprimé et la glorification de ceux qui l'ont colonisé, expulsé et occupé. L'historien a également insisté sur des mensonges officiels largement diffusés, comme celui selon lequel les Palestiniens se seraient enfuis lorsque ce qu'ils appellent l'invasion arabe a commencé. Les manuels scolaires israéliens vont même jusqu'à prétendre qu'il y a eu des tentatives juives pour les persuader de rester. En réalité, affirme-t-il, des centaines de milliers de Palestiniens avaient déjà été expulsés, la moitié des villages arabes avaient été attaqués, et des massacres publics se sont produits avant même qu'un seul soldat des armées arabes ne soit entré en Palestine. Autre information importante, l'armée de libération arabe limitait strictement ses activités aux territoires que la résolution de l'ONU allouait au futur État palestinien. Des territoires, comme on le sait, que l'armée sioniste a saccagés et occupés l'un après l'autre. Enfin, et c'est une conclusion qui s'impose à la lecture de ce travail bouleversant, ce à quoi on assiste en direct aujourd'hui, Israël l'a déjà fait à sa création, avec seulement moins de moyens de destruction massive. Assiéger une population, la bombarder, la terrifier, l'expulser, piller, violer, tuer. Ilan Papé souligne aussi l'efficacité du lobby sioniste. Ce lobby a réussi à ce que la politique moyen-orientale des États-Unis reste aux mains du Congrès et de la Maison Blanche, où il est très influent. Enfin, l'auteur revient à plusieurs reprises sur la trahison de l'ONU. Selon les termes mêmes de sa résolution de partition, écrit-il, l'ONU devait rester présente sur le terrain pour superviser la mise en œuvre de son plan, à savoir la transformation de la Palestine en deux États distincts, avec l'engagement de prévenir toute tentative de confiscation de terres, qu'elles soient cultivées ou non cultivées. Or, aucune mesure de la sorte n'a été prise. Et les Nations Unies n'ont aucune excuse pour avoir abandonné le peuple palestinien après lui avoir découpé son territoire et pour l'avoir livré sans protection aux sionistes, alors même qu'il s'agissait d'un mouvement idéologique qui, dès les années 1930, affichait ouvertement son souhait de supprimer les Arabes. L'ONU a bien directement contribué au crime qui allait suivre. Pour réaliser cet ouvrage majeur, l'historien s'est référé aux archives militaires d'Israël, aujourd'hui déclassifiées, et tout à fait clair sur l'expulsion massive et les massacres commis par les forces juives. Il s'est également appuyé sur de nombreux témoignages aussi bien d'Israéliens que de survivants palestiniens. C'est ainsi qu'il décrit avec précision la terrifiante série de barbaries subies dans des villes et des villages désormais effacés de la carte. Il décrit les expulsions en masse et la débauche de meurtres et de pillages auxquels les soldats israéliens se sont livrés. Il précise les nouveaux noms donnés aux lieux occupés pour effacer leurs anciens noms avec toujours des reliances hébraïques. Il présente même les opérations militaires ainsi que la destinée des villages détruits transformés en parcs, en surfaces commerciales, en décharges, en lieux d'exposition et autres attractions touristiques. Mais aucune référence au village palestinien détruit n'existe. C'est un passé inexistant dans la mémoire collective de l'État d'Israël. En conclusion, cet ouvrage est une véritable référence pour qui veut connaître le processus de nettoyage et de colonisation de la Palestine par l'armée sioniste. Ce qui s'est passé en Palestine en 1948, durant plus d'une année d'horreur, la Nakba. C'est un cas évident de nettoyage ethnique, affirme tout d'abord Hélène Paté. La définition s'applique mot pour mot. Et pourtant, souligne l'historien, ce qui est incroyable, ce qui est terrible, c'est l'ignorance et la négation de ce crime massif contre l'humanité perpétré en notre siècle. La spoliation des Palestiniens par Israël en 1948 a été méthodiquement effacée de la conscience publique du monde. Cet événement fondamental de l'histoire moderne de la Palestine a été systématiquement nié. Il n'est toujours pas reconnu comme un fait historique et encore moins comme un crime auquel il faut faire face politiquement et moralement. Des actes atroces ont été commis par des militaires dont aucun n'a jamais été jugé pour crime de guerre en dépit de preuves accablantes. Au contraire, les responsables sont des héros de la guerre dite d'indépendance d'Israël, comme le chef incontestable du mouvement sioniste David Ben-Gourion ou les plus hauts gradés de l'armée comme Iga Eliadine et Moshe Dayan. Pour les Palestiniens, écrit l'auteur, la négation des crimes qu'ils ont subis et l'indifférence du monde est une autre. Violence. Imaginez, dit il, imaginez que dans un pays que vous connaissez, la moitié de la population ait été chassée de force en une seule année, la moitié des villes et des villages rasés ne laissant que ruines et pierres. Et puis, imaginez que cette opération n'entre jamais dans les livres d'histoire, et que tous les efforts diplomatiques pour résoudre le conflit qui a suivi négligent totalement ou ne sont même pas au courant de cette catastrophe. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé en Palestine. Et c'est cette histoire noire et cruelle que les représentants d'Israël veulent faire oublier au monde. C'est pourquoi il nous incombe à nous, conclut-il, de raconter cette histoire, de la sauver de l'oubli et de rétablir la vérité. C'est une décision morale dans laquelle nous devons nous engager. Je m'y engage. Le Fonds national juif a été fondé en 1901 pour acheter des terres palestiniennes et installer des immigrants juifs. Il a été le fer de lance de la sionisation de la Palestine pendant toute la période du mandat britannique. Plus tard, cet organisme a effectué un inventaire de tous les villages arabes. On trouve dans les archives, affirme Hélène Papé, des détails précis sur la situation de chaque village, ses voies d'accès, la qualité des terres, le nombre d'arbres, les ressources en eau, les sources de revenus, les affiliations religieuses et politiques, les noms des fonctionnaires, artisans, imams, la description des mosquées, l'âge des habitants de sexe masculin, ainsi que l'indice d'hostilité à l'égard du projectionniste, évidemment. Toutes ces informations ont servi par la suite aux exécutions collectives et aux tortures. En 1917, l'Ordre Belfour promet au mouvement sioniste au nom du gouvernement britannique de créer un foyer national pour les Juifs en Palestine. Les Britanniques ont fait par la suite une offre très inéquitable aux Palestiniens. Comme ils représentaient près de 90% de la population totale, on comprend qu'ils aient exigé le respect du principe démocratique de la majorité, comme l'aurait fait n'importe quel peuple. Ils refusaient de partager en deux leur pays avec une communauté de colons dont beaucoup de nouveaux venus. Cela conduira plus tard à une révolte populaire palestinienne que l'armée britannique brise au bout de trois ans de brutalité. En février 1947, Londres transmet la question de la Palestine aux Nations unies, une ONU récente et inexpérimentée. À cette période, écrit l'historien, les Palestiniens représentaient les deux tiers du pays, l'autre tiers étant composé de colons sionistes et de réfugiés en provenance d'Europe. Le 29 novembre 1947, cela aboutit à la résolution 181 de l'Assemblée générale qui accorde aux Juifs plus de la moitié de la Palestine, alors qu'ils possédaient moins de 6% de la superficie foncière. En plus, elle leur offre les terres les plus fertiles. C'est ainsi que le mouvement sioniste a obtenu à la fois une reconnaissance internationale du droit à un État juif et le don de plus de la moitié du territoire palestinien, dont ils ne se contenteront pas, comme nous le verrons par la suite. Les dirigeants arabes et palestiniens ont refusé cette proposition, et les dirigeants sionistes ont alors instauré un dialogue bilatéral avec l'ONU sans les Palestiniens sur l'élaboration d'un plan d'avenir pour la Palestine. Cette situation s'est reproduite dans l'histoire des efforts de paix, fait remarquer Hélène Papé. Rétablir la paix en Palestine, ça a toujours voulu dire appliquer une stratégie discutée entre les États-Unis et Israël sans tenir compte des intérêts palestiniens. Le futur État juif a donc reçu en cadeau la moitié du territoire des Palestiniens. Mais il restait un problème, la balance démographique entre Arabes et Juifs. Seul un État ayant au moins 80% de juifs est un État viable avait affirmé Ben Gourion. Bien sûr, on encourageait une immigration juive massive, mais cela ne suffirait pas. Le nettoyage ethnique, avait-il clairement affirmé, c'était le moyen pour garantir que le nouvel État soit exclusivement juif. L'armée juive s'est d'abord consacrée à renforcer sa capacité militaire armes et soldats, pour réussir les deux volets de son plan. Obtenir le plus de Palestine possible avec le moins possible de Palestiniens. Trois organisations, la Haganah et les deux groupes extrémistes, l'Irgun et le Stern, se sont unis en une seule armée pendant la Nakba. Pas une fois les sionistes n'ont pensé que leur futur État courait le moindre danger. En public, ils développaient des scénarios apocalyptiques sur l'imminence d'un second Holocauste. En privé, jamais. Ils savaient que les armées arabes étaient mal équipées et sans expérience. Ils étaient sûrs de pouvoir l'emporter militairement, et ils avaient raison. Car la direction juive avait conclu un accord tacite avec la Jordanie. Le futur État prendrait plus de 80 de la Palestine, c'est-à-dire les 56 promis par l'ONU, plus 24 à prendre sur la part des Palestiniens, et les 20 restants iraient aux Jordaniens. En contrepartie, Abdullah de Jordanie promettait de ne pas se joindre aux opérations militaires arabes. Or, sans l'armée jordanienne, qui était alors l'armée la plus forte du monde arabe, les Palestiniens n'avaient aucune chance d'être défendus. De toute façon, comme défense, les gouvernements arabes se contentaient de grands discours guerriers, des paroles, des paroles, comme toujours. Et quand les crimes étaient trop flagrants, alors, les tambours de guerre battaient plus fort, ironise l'auteur. Les sionistes préféraient présenter leurs expulsions comme une punition, des représailles. Or les villageois palestiniens restaient trop paisibles, inconscients du sort qu'on leur réservait. En décembre 1947, le Conseil passa donc en une campagne systématique d'intimidation et de menaces. Devant toute résistance à leurs incursions, les soldats tiraient au hasard et tuer plusieurs villageois. Puis les premiers villages sans défense ont été attaqués de nuit. On remarquera que l'armée sioniste préfère attaquer de nuit lorsque les habitants sont regroupés dans leurs maisons et endormis. Der Eyoup, Khesas, Belachir, où reposait le cher Azdin al-Qassam, figure emblématique de la résistance tuée par les Britanniques en 1935. Les espaces urbains ont aussi été visés. Haifa a été la première cible. Les colons juifs tiraient régulièrement sur les quartiers arabes et les soldats faisaient dévaler sur eux des barils bourrés d'explosifs, puis mettaient le feu. Quand les habitants paniqués sortaient de leur maison pour éteindre le feu, ils étaient fauchés à la mitrailleuse. Début janvier 1948, une réunion capitale chez Ben Gorion aboutit à cette conclusion. Sans transfert de Palestiniens, il n'y aura pas d'état juif. Le mot nettoyage, terror, figure désormais sur tous les ordres du haut commandement aux unités sur le terrain. Les archives israéliennes sont limpides sur l'intention d'une barbarie efficace. Un exemple Lifta, un gros village de 2500 habitants qui a été totalement détruit. Gourion est venu voir de ses yeux le village vidé et démoli. Le soir, Ravi. Il écrit sur son journal À présent, quand je viens à Jérusalem, j'ai le sentiment d'être dans une ville juive. Quand on y entre par Lifta et Roméma, il n'y a plus d'Arabes, 100% de Juifs. En février 1948, l'armée juive achète, mais développe aussi ses propres armes de destruction. Sur le terrain, on pilonne massivement des villages et des quartiers à forte densité démographique. Un lance-flamme a servi à incendier les champs et les maisons. Kessaria, un grand village, 1500 habitants, exemple typique du vivre et laisser vivre du littoral palestinien. En quelques heures, toute la population a été expulsée. Baratz Kessaria, site pittoresque sur une plage de sable, un millier d'habitants, férocement effacé de la carte. À sa place aujourd'hui, il y a une ville juive, or Akiva. Khirbet al bourj disparu. C'est aujourd'hui un lieu d'exposition, de salon et de fêtes familiales juives. Et puis il y a eu le tragique raid sur Sassa, la nuit du 15 février 1948. C'est Moshe Kalman, le responsable des atrocités de Ressas, qui conduit l'attaque. Il racontera Nous sommes tombés sur un garde arabe. Il était si abasourdi qu'il n'a pas demandé Menheda qui est-ce, mais hada qu'est-ce que c'est Un soldat qui connaissait l'arabe a répondu en riant Hada <laughs> c'est le feu en hébreu, et il l'a mitraillé. Les archives israéliennes révèlent clairement que le plan d'Alet, adopté en mars 48, était un plan global d'expulsion des Palestiniens. Il a été distribué aux commandants de brigade avec une description détaillée des villages et des instructions sur leur sort, occupation, destruction, expulsion. Avril 1948, le mois meurtrier. Selon la version officielle israélienne, écrit Ilan Papé, au mois d'avril 1948, une petite communauté juive isolée, menacée, a dû passer de la défensive à l'offensive. La réalité est on ne peut plus différente. Non seulement la majorité des Juifs ne courait aucun danger, mais leur armée procédait depuis des mois à une méga-opération systématique de nettoyage ethnique. À la fin du mois d'avril, tous les centres urbains de Palestine ont été occupés et la plupart des villageois expulsés pour toujours des maisons. Et des champs où leurs ancêtres avaient vécu et travaillé pendant des siècles. Khalunia, Saris, Beit Shuriq, Bidou, encerclés, attaqués, occupés, maisons démolies, habitants expulsés, objets personnels volés. Ces expulsions ont été accompagnées de massacres. Le plus connu est celui de Der Yassin, un village pastoral situé dans une zone ciblée par le plan d'Alète. Le 9 avril 1948, les soldats l'ont envahi et ont mitraillé de nombreux habitants. Les villageois survivants ont été rassemblés en un même lieu et assassinés de sang-froid, leurs corps odieusement traités, plusieurs femmes violées puis tuées. Il y avait trente bébés parmi les morts. Fahim Zaydan, 12 ans à l'époque, se trouvait dans une rangée d'enfants alignés contre un mur puis arrosés de balles juste pour s'amuser. Elle a miraculeusement survécu. Son témoignage est atroce sur l'assassinat de toute sa famille. Comme Tibériade, Haïfa, le plus grand port du pays, avait été donné par l'ONU à l'État juif, une des injustices flagrantes de ce plan de paix. Or, les sionistes voulaient le port, mais sans les 75 000 Palestiniens qui l'habitaient. En avril 1948, ils ont atteint leur objectif. En effet, les habitants de Haïfa n'avaient aucune protection. L'officier des opérations était Maklef, devenu plus tard chef d'état-major. Voici ses ordres Tuez tous les Arabes que vous rencontrez incendiez tout ce qui est inflammable. Le choc et la terreur ont été tels que les habitants, pris de panique, se sont dirigés vers le port sans le moindre bagage, espérant trouver un bateau pour fuir beaucoup ont coulé il a papé écrit que quand la dirigeante sioniste golda meyer est arrivée à haïfa quelques jours après elle a dû être horrifiée en pénétrant dans des maisons où le repas était encore sur la table des enfants avaient laissé par terre leurs jouets et leurs livres et la vie semblait s'être figée cela a dû lui rappeler les récits de ses propres parents sur les violences contre les juifs mais sans absolument pas l'empêcher de poursuivre le nettoyage ethnique. Après Haïfa, d'autres villes de Palestine sont tombées. Les soldats juifs ont pilonné, attaqué, occupé ils ont pillé et volé les meubles, les vêtements, les produits alimentaires, tout. Les archives comportent des témoignages de l'armée à ce sujet. Il a même été injecté des germes de la typhoïde dans l'eau des aqueducs. Et tout cela, tous ces massacres, se sont faits publiquement sous le regard indifférent des agents de l'ONU et des responsables britanniques. Aucune protection n'a été accordée. Les soldats britanniques, théoriquement responsables de la sécurité, ont libéré la voie aux autorités juives en se retirant de leur poste. Leur comportement est l'un des chapitres les plus honteux de l'histoire de l'Empire britannique au Moyen-Orient, écrit l'auteur. Ilan Papé revient souvent sur cette complicité scandaleuse des Britanniques, qui, en abandonnant ville et campagne, ont entraîné un effondrement total de l'ordre public. Les Palestiniens ne pouvaient même plus aller prendre leur salaire, puisque la plupart des services publics étaient dans les quartiers juifs, où ils risquaient de se faire agresser. Les Britanniques ont même fourni aux dirigeants juifs des actes de propriété et de documents importants. La presse, quant à elle, a opté pour un silence complice. Aucun correspondant n'a osé critiquer les actes des forces juives. Est-ce que cela ne vous rappelle rien Mai 1948. Le massacre de Ain Zitoun, le 1er mai 1948, est connu parce que son histoire a servi de base à un roman israélien et au roman d'Elias Rour sur la catastrophe palestinienne Beb Shems, qui a été porté à l'écran. Après un bombardement massif et un lancer de grenades, les soldats ont rassemblé au centre du village, femmes, enfants et vieillards, et ils ont abattu les adolescents, mains liées derrière le dos. Au total, des centaines de villageois, bébés compris, ont été exécutés. Hélène papé décrit aussi le calvaire vécu par d'autres villages, comme Sirine, occupé le 12 mai 1948. Ce village était un bel exemple du système collectif de partage des terres remontant à la période ottomane. En quelques heures, ce microcosme de coexistence religieuse et d'harmonie entre musulmans et chrétiens a été ravagé. Les habitants ont été chassés et tout a été démoli. Par contre, les arbres ont dépéri parce que les Juifs n'ont jamais réussi à exploiter les terres ingrates de la vallée. Jaffa comprenait 50 000 habitants, 24 villages et 17 mosquées. Sa longue histoire aussi remontait à l'âge de bronze. Elle avait un héritage romain et byzantin impressionnant. Jaffa, c'est important de le signaler, se trouvait elle aussi dans l'état arabe prévu par l'ONU. Et pourtant, toute sa population a été expulsée. Des scènes insoutenables. Des habitants poussés à la mer sous les tirs des soldats juifs. C'est le 22 mai 1948, dans la nuit, comme toujours, qu'a eu lieu le massacre de Tantura, un des villages les plus importants de la côte, qui vivait surtout de l'agriculture et de la pêche. Les habitants ont été conduits sur la plage. Les hommes, c'est-à-dire tout individu de sexe masculin de 10 ans,

طنطورة أسوة بقرى أخرى ولكن يعني بنعطيها نحن ميزة إضافية لكونها يعني قريبة جدا من الساحل كانت هدفا للمنظمات العسكرية الصهيونية التي أرادت أن تسيطر على الساحل بكامله جمعوا النساء لحال ورجال لحال الرجال أجي عليهم مع جيش وثلاثة غمغمين يعني والثلاثة هم من ولاد البلد بس مش معروفين منهم يجي على سواء الواحد إن الرجال مصرفين صفين يأشروا عليه هيك يأشروا بصباعهم هيك يعني أنت الجيش لك أفو. طوالي قولوا له بدك تجيب سلاحك السلاح اللي عندك بدك تجيبه ما فيش عندي سلاح يا عمي كيف قتلوا سيدي وعمي و... والشباب اللي معهم كيف قطعوا رؤوسهم وعذبوهم في الكهرباء كيف كان عمي يتفعفل والستة تطلب من جنود الاحتلال اعطونا بس نغطيهم من الذبان اللي داو عليهم ويقولوا لها روح من هون ولا بطخك روح من هون ولا بتخك تقربش ولا تقعد ست تخرفنا واحنا صغار تعيط تبكي كل القصة اللي سمعتها مش قادر انساها يعني سيطروا على البيوت سيطروا على الممتلكات سيطروا على امور اخرى ولكن نحن ليس لا نملك حتى اليوم يعني اختاني اقول معلومه دقيقه ما هي كميه الذهب والمصاغات وما هي الأموال التي أبقاها الأهالي في القرى الطنطورة نموذج باعتقادي يكشف لنا حجم الجريمة أكثر من مجرد قتل العشرات من الأهالي وإنما أيضا نهب وسرقة كل ما استطاعت يد المجرم أن تصل إليه À la fin du mandat britannique, quasiment tous les villages du territoire dévolu aux Arabes Avaient été détruits et les grands centres urbains dépeuplés. Les troupes juives ont transformé en un temps éclair un district peuplé de 96% de Palestiniens et de 4% de Juifs en une zone quasi exclusivement juive. Le 24 mai, le journal de Ben-Gurion respire la volonté de puissance, rapporte l'auteur. Nous allons briser la Transjordanie, bombarder Amman, Détruire son armée et la Syrie tombera. Après quoi, si l'Égypte veut continuer à se battre, nous bombarderons Port Saïd, Alexandrie et le Caire. Il convoque une réunion pour évaluer le montant des sommes pillées dans les banques des Arabes et les exploitations agricoles confisquées. En juin, les troupes israéliennes n'épargnent plus personne. On détruit les maisons par le feu si la dynamique manque on incendie les champs. L'aviation bombarde les capitales arabes. Il y a un nombre considérable de victimes. L'écrivain Mohamed Ali Taha avait 17 ans quand, le 20 juin 1948, les soldats israéliens sont entrés dans le village de Mihar. Lui-même est né tout près à Saforia. Une grande partie de ses œuvres est inspirée des horreurs dont il a été témoin. Lida aussi, la ville des mosquées a subi les meurtres de masse et les pillages. Les hommes ont été massacrés à l'intérieur de la mosquée où ils s'abritaient. Aujourd'hui, c'est devenu la ville juive de Lod. Un témoin survivant, mon Ayar, a rapporté les événements de cette journée atroce. Il travaillait en tant que médecin à l'hôpital local aux côtés du dévoué docteur Georges Habash, le futur fondateur et dirigeant du Front populaire de libération de la Palestine. Il se souvient du défilé interminable des cadavres et des blessés qu'on leur a menés. Un seul émissaire de l'ONU s'est réellement impliqué pour rendre justice, le comte Folk Bernadotte. C'est grâce à lui que l'Assemblée générale des Nations unies a recommandé le retour sans condition de tous les réfugiés expulsés par Israël. Il a été assassiné pour cette position. Ce médiateur avait proposé une première trêve en juin. Israël l'a utilisé pour démolir les sites expulsés. Par contre, la seconde trêve a été violée dès l'instant où elle est entrée en vigueur. Le 26 juillet, c'est le village Ayn Razel qui a été victime de cette violation. C'était le ramadan. Les villageois étaient sortis dans la rue en fin d'après-midi pour rompre le jeûne quand un avion a largué une bombe directement sur la foule. Puis les soldats juifs ont envahi le village. Hélène Papé rapporte que 70 000 personnes ont été expulsées des villes de Lida et Ramla. Ils ont été contraints de marcher, sans eau ni nourriture, jusqu'en Cisjordanie, et beaucoup sont morts de soif et de faim en chemin. Tel a été le sort de tous les expulsés. Une déportation massive qui se déroulait sous les yeux des observateurs de l'ONU et des témoins oculaires juifs. Du ciel ou du sol, écrit l'historien, il était impossible de ne pas voir ces convois humains surtout de femmes et d'enfants, les hommes jeunes ayant été arrêtés ou portés disparus. Trois ans seulement après l'Holocauste, se demande-t-il, mais qu'est-ce qui venait à l'esprit des Juifs qui regardaient passer ces malheureux Parallèlement, les opérations de nettoyage ethnique se sont étendues au Narab, Negev. En 1948, il y avait 90 000 Bédouins répartis en 96 tribus. Ils habitaient dans cette région depuis l'époque byzantine. Les soldats juifs ont expulsé 11 tribus et ont obligé les autres à entrer dans des réserves définies comme zones militaires fermées. Notons qu'au début de la colonisation, les dirigeants sionistes étaient gênés par le statut juridique des zones occupées qui se trouvaient dans l'état dévolu par l'ONU aux Arabes. Territoire administré, territoire occupé, comment les nommer Mais en mai 1949, tout village, champs et maisons, tout s'est dissous dans l'état juif d'Israël. En septembre 1948, les quinze villages du Wadi -e ont repoussé les assaillants avec l'aide d'officiers irakiens. Parmi les rares voisins arabes à s'être vraiment battus, ils ont réussi à sauver des villages entiers. Mais en octobre 1948, l'opération Hiram a achevé la résistance. La Haute Galilée et le Sud Liban, une région autrefois quasi exclusivement palestinienne, a été occupée en totalité par l'armée israélienne après des raids aériens intensifs et des pilonnages d'artillerie la lutte de la résistance palestinienne dans cette région a été héroïque rapporte l'auteur aucun village ne s'est rendu tous ont défié une puissance militaire très supérieure avant d'être submergés par les assaillants des centaines de villageois ont péri par la suite l'élite politique israélienne a tout fait pour éradiquer l'incontestable arabité de la galilée Expulsion directe dans les années 1940, occupation militaire en 1960, confiscation massive des terres dans les années 70, et immense effort de judaïsation dans les années 80. En dépit de tout cela, écrit-il, la Galilée a conservé sa beauté moyen orientale et sa culture palestinienne. D'autres massacres sont rapportés dans cet ouvrage. Ils sont difficiles à reporter comme la grande tuerie dans la ville de Deuemer. Ilan Pape affirme que les événements qui se sont produits sont probablement les pires dans les annales des atrocités de l'Anakba. En décembre 1948, les forces juives ont achevé le dépeuplement de Birshiba. 90% de la population qui vivait là depuis des siècles a été expulsée. Le maire de la ville avait supplié le commandant en chef de ne pas déporter la population. Nous avons besoin de terres, pas d'esclaves, a répondu l'officier. Tel a été le résultat du plan de paix de l'ONU, a conclu Hélène Papé. Des bombardements, des démolitions de maisons ancestrales, des expulsions, des gens terrorisés, anéantis par des scènes atroces de parents et d'enfants exécutés, d'épouses et de filles maltraitées, parfois violées, la fuite des survivants sur les grandes routes et sans aucun secours ni aucune intervention internationale. Et nous voilà aujourd'hui, depuis octobre 2023, face aux sécurès de la Palestine, devant au moins la même barbarie, mais toujours la même scandaleuse complicité de ceux qui peuvent l'empêcher.